Mais il n'y a pas un homme qui aurait pu donner sa vie en rançon pour l'humanité entière. Amen. Il y a eu des grands hommes dans la Bible. Il y a eu Jacob. Il y a eu Abraham. Il y a eu Enoch qui était un grand homme dans la Bible. Amen. Il y a eu Moïse. Il y a eu Noé. Et il y a eu, et puis j'en passe et j'en passe. C'était des hommes terribles. Et puis quand on lit dans le Nouveau Testament, eh bien il y a eu les 12 apôtres. Amen. Il y a eu aussi, comme on a parlé, l'apôtre Paul. Un homme qui a dit qu'il était dans la révélation de l'excellence de Dieu. Imaginez-vous les paroles. Et il dit aux croyants qui sont là, « Soyez, vous, mes imitateurs à moi, comme moi je le suis de Christ. » Amen. Ça veut dire qu'il suivait Christ dans chaque parole de la parole de Dieu. Amen. Eh bien, lui n'a pas pu donner sa vie pour toi. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde, et bien qu'il a donné son Fils, gloire à Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui n'y ait jamais péché. Il n'y en a qu'un seul qui a été élevé dans la perfection la plus totale, la plus parfaite. Il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Il n'y en a qu'un seul que le péché s'est jamais trouvé sur ses lèvres. Dans ses gestes, dans ses pensées, le péché ne s'est jamais trouvé. Il n'y a eu que la pureté, la droiture, la vérité. Gloire au Seigneur, on n'a rien trouvé. On cherchait à l'accuser. On n'a rien trouvé à dire sur lui. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce que Jésus-Christ vit dans ton cœur? Est-ce que ce soir tu vas repartir de ce lieu en disant, Seigneur, je vais faire une expérience où je vais rester dans mon état de péché? Vous savez ce que c'est un état de péché? Ben, c'est un état de perdition. Celui qui demeure dans son péché demeure dans le jugement. Il demeure dans la perdition parce qu'il vit tous les jours dans son péché. Mais celui qui accepte Dieu, celui qui prend la parole du Seigneur en considération, eh bien celui-là hérite le royaume des dieux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors j'aimerais te dire ce soir, comme on a dit tout à l'heure, tu as participé peut-être à des dizaines de réunions, mais la prédication de la croix n'est pas rentrée dans ton cœur. Elle n'est pas là encore. Tu ne l'as pas laissée rentrer. Il n'y a pas de place dans ta vie pour elle. Peut-être que tu te dis, si j'accepte le Seigneur dans ma vie, je ne pourrai plus faire ce que j'aimais autrefois. Mais viens tel que tu es. Amen. Venez avec vos fardeaux. Venez avec vos péchés. Venez avec ce qui vous pèse dans la vie. Avec ce qui est lourd. Venez. Et le Seigneur, lui, gloire au Seigneur, va se faire une joie d'enlever dans ta vie ce qui lui déplaît. Tu ne pourras jamais, aujourd'hui on l'écoute, avec les prédicateurs, beaucoup viennent chez nous et nous disent, eh ben, je ne peux pas donner ma vie aujourd'hui au Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas donner ma vie à Dieu, pourquoi? Parce que encore je fume, parce que encore je bois, parce qu'il y a plein de choses encore qui ne vont pas dans ma vie. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Depuis le début, tu te tromperas depuis jusqu'à la fin comme ça. On ne se perfectionne pas avant de venir à Jésus. On ne se perfectionne pas avant de laisser la prédication de la croix rentrer dans notre vie. On ne peut pas se perfectionner nous-mêmes. L'homme ne devient pas meilleur par ses propres voies. Il ne peut pas parce que les voies de l'homme ne sont pas ceux de Dieu. Mais quand il se laisse visiter par Dieu, amen, un cœur de ténèbres, comment veux-tu éclairer quelque chose qui est noir si tu n'as pas les moyens? Tu n'as pas la lumière dans ta vie, tu ne peux pas éclairer une pièce qui est sombre. C'est impossible. Si ce soir on ferme tous les rideaux et puis si on éteint la lumière, jamais vous ne reconnaîtrez toutes les personnes qui sont là. Parce qu'il n'y aura pas de lumière. Eh bien, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu n'a pas de lumière parce que c'est la parole. Seigneur qui nous le dit. Celui qui demeure encore dans son péché, eh bien il demeure dans les ténèbres totales, il n'a pas la lumière. Mais cependant, il est devenu un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes des lumières. Amen. Gloire au Seigneur, pourquoi? Parce que Jésus est la lumière du monde.
Alors, Seigneur, tant que la lumière ne viendra pas dans ta vie, tu ne pourras pas voir ce qui ne va pas. Tu ne pourras pas enlever ce qui ne va pas. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont essayé de se perfectionner. Et on les a vus un peu changer. Il y a des personnes qui ont arrivé à arrêter de fumer de même. Il y a des personnes qui ont arrêté certaines passions. Mais tout cela, c'était pour eux-mêmes. Mais il y a encore plein de choses qui sont à faire. Alors, est-ce que tu vas te laisser venir par lui? Alors, Seigneur, est-ce que tu veux faire comme cet homme? Il était là et puis tout le monde a entendu une fois ce passage. Il a un manteau rempli de poussière qui est sur lui. Il est au bord d'un chemin. Les passants, ils passent. Et combien dans sa vie, des passants, il y en a eu? Combien de personnes ont dû parler à lui? Combien de personnes devaient le considérer comme un sage? Il devait le considérer comme un sage. Vous avez vu aujourd'hui, quand on voit quelqu'un de non-voyant et quand on lui parle, alors il a plein d'expériences à nous donner. Et puis c'est comme ça. Et combien de personnes ont pu considérer cette personne comme un sage? Et puis il y avait des dizaines de personnes, des centaines et des milliers qui ont passé depuis si tant d'années devant. Et puis il avait un manteau sur lui. Ce manteau était sûrement rempli de poussière. La parole ne le précise pas. Mais quand nous sommes sur un bord d'un chemin, dans des pays très chauds, mais laissez-moi vous dire que la poussière toute la journée, elle devait être sous ce manteau. Et il ne se levait pas. Mais un jour, ce n'était pas un passant comme les autres. C'était Jésus-Christ qui est passé. Amen. Et là, lui qu'on considérait peut-être comme un...